Salut à tous, c'est Mr. Freeze. Donc on continue The Manish Cap. Et on devait aller revoir l'ancien. Donc juste à gauche. Hein. Donc, le village Manish, on s'en tape complet là. Les deux seules maisons intéressantes, c'est celle-là et l'autre pour aller au donjon en fait. Quoi qu'il y ait peut-être des échanges de fragments après. Voilà, il va nous ouvrir une entrée secrète. Ah, donc le mont Gongle, ou Gongol, je sais pas comment on dit. On va dire Gongle, pour pas se réutiliser. C'est le prochain donjon. Enfin, c'est là où se trouve le prochain donjon, mais c'est pas le donjon lui-même. Donc on a les bombes et on va se remettre en forme normale. N'importe quoi. On va les prendre. Voilà, des coquillages, on peut en trouver à l'infini. Il y en a dans les herbes. Ou même dans les monstres, il me semble. Quoi. Du coup, les bombes. Voilà. Bon, on va faire comme ça. Je vais attendre parce que je passe, ça annule pas. Voilà, on peut appuyer sur B hein, pour passer cette scène. Qu'à force on va l'avoir 50 fois. Voilà, et là il nous dit ça. On viendra après. Je l'ai tué juste pour le plaisir. Tiens, Batman, avec tes films pourris. Non, je déconne. C'est vrai qu'il y a pas mal de films Batman bien pourris, quand même. Alors, ça, c'est des nouvelles saloperies. On va faire comme ça pour les... De toute façon, le pot, ça nique tellement d'ennemis, c'est un truc de fou. Bombes. On va le faire péter. Hein. Dès qu'on a un truc, on le fait péter. Hein. Je sais pas où on est. Ah, ok. Ouais, bah les ouvriers, toujours. De toute façon, ils nous bloquent le chemin. Là, vous voyez, il y a un petit trou. Sans mauvais jeu de mots, et ça servira plus tard pour un objet qu'on n'a pas encore. Ah, les taupes. Elles me font trop marrer, les taupes. Je trouve que c'est jouissif de tuer les taupes. Ça fait des combos et tout.
Voilà, bah là je crois qu'on va aller directement à Hyrule. Je crois pas qu'il y ait grand chose par ici. Ah bah ouais, ça c'est la maison du grand-père. Ah là il y a une stèle encore. Merde. C'est ça que je voulais faire. Alors bah vaut mieux les faire maintenant les stèles. Alors pour l'instant ça sert absolument à rien. Mais vaut mieux le faire quand même parce que... plus tard en fait ça servira pour un objet, avec un objet on va, on pourra se téléporter sur les symboles. Vous voyez c'est vraiment sympa le... Par contre ça marche pas là-dessus, ouais. Si je me rappelle pas. Voilà, et là c'est chez notre grand-père. Vous prenez cette vidéo, ça va être de la balade complète. Hein. Donc là ça doit être... Ouais. Non, pardon. Je vais mettre la pause un moment. Ouais, donc ça c'est le truc principal du jeu. Hein. Voilà, il y aura des gens, ça leur mettra un truc comme ça. Alors ça leur mettra pas un cœur, hein, ça leur mettra un espèce de fragment. Donc là à gauche c'est tous les fragments qu'on a et à droite c'est le sien. Il faut juste, voilà. C'est toujours par deux, hein, il n'y a jamais de triple morceau, enfin de truc en trois morceaux. Et en fait ça fait des événements quand on en débloque un. Du genre comme ça. Voilà, et après on sait... où c'est. Là il y a un chat, on va essayer de l'emmerder. Est-ce qu'on peut aspirer le chat? Oh. C'est de la merde ce jeu. Non mais voilà quoi. Je pensais que ça faisait comme les aspirateurs avec les chats. Alors, bah du coup, on a débloqué ça. Putain, ça reste coupé ça. Voilà. Et on obtient un cœur de cœur. Voilà, et ça nous rend toute notre vie du coup. Je sais pas si ça rend toute la vie ou un certain nombre de cœurs précis. Je crois que ça rend toute la vie. Voilà, bah y'a pas mal après d'objets. D'objets. Y'a pas mal d'endroits à débloquer. Hein. Après, c'est Zelda quoi, c'est. C'est-à-dire que quand on a un nouvel objet, il y a plein de trucs à faire. Voilà, donc là il y a des fées qui peuvent nous soigner. Pour l'instant ça sert pas à grand chose. Plus tard on aura des pots, on pourra les mettre dedans il me semble. Voilà. Du coup. Ce qu'il me faudrait... Bon, il y a pas mal de trucs, voilà. Là, il y a une quête à faire. Comment on les chope? Ah. Ça marche pas. D'accord. Ah, quand même. Voilà, faut juste faire ça. Bon, je suis pas très doué, hein. Non, où est-ce que c'est? Faut aller voir un marchand, normalement. C'est ça.
Voilà, bah il y a plein de trucs qu'on peut pas encore faire. Enfin, c'est là. Et on va lui acheter ça. Ah, parce que en fait, on peut pas apporter autant de rubis qu'on veut. Je crois que maintenant on peut en porter 250. Je sais plus combien on peut en porter avant. Il faut savoir que la quête des poules, là, on peut la faire 10 fois, il me semble. Voilà, à chaque fois. C'est n'importe quoi, la meuf, elle veut de l'aide, elle fait. Par contre, en 25 secondes. Hein. Tu peux m'aider à porter mes courses, mais tu rentres chez moi en moins de 5 minutes. Ah, bon, faut attendre. Ah, une boule dorée. Voilà, et ça rapporte de plus en plus en fait. Et à la fin, on a un quart de cœur. Mais je crois que pour la toute fin, il faut les palmes ou un truc du genre. Ah, doré, vaut mieux pas essayer parce qu'elle est un peu chiante. Bon, c'est de plus en plus dur, hein. On va pas faire jusqu'au bout, comme je vous l'ai dit, on peut pas encore. Où est-ce qu'on peut aller? Aspirer le chien ou pas? Parce que si on peut pas aspirer le chien, moi j'arrête. Hein. Ok, ce jeu c'est de la merde. Alors, ça c'est quoi? Ils font exprès, y a rien d'ouvert. Donc là on dirait que ça sert à rien, mais ça servira à faire apparaître un marchand. Donc eux c'est juste du décor, ils servent à rien. Ça servira plus tard dans le jeu pour la quête principale. Et là vous voyez, on a des trucs comme ça. En fait, c'est des arbres à... Enfin, des arbres. C'est un peu comme les souches d'arbres. Et grâce à ça, on peut aller dans plein d'endroits dans la ville. Voilà. Et du coup, il y aura plein de d'endroits dans le jeu. Voilà. Bon, ça sert à rien, ce sera pour plus tard dans la quête principale, je vous le dis. Alors, vous voyez, la chaussure bouge toute seule. Enfin, on en parlera plus tard de ça. Je sais pas ce qu'on peut faire dedans la ville. Si, il y a l'escrime. L'escrime, c'est où? L'escrime. C'est ouvert ici. Ah. Alors, les fragments, on en trouve un peu partout. Je vais pas tous vous les montrer maintenant. Donc, chaque personne propose une seule fois son fragment. Hein. Ah, là il y a un quart de cœur. En rentrant de l'autre côté. Ah, il me semble qu'il y a 100 fragments en tout. Ah, bah faut rentrer par. Ouais. Alors, un truc à faire en mini-ch. Si vous regardez, il y a plein de trucs là. Par exemple, on voit un trou, une liane, un chat, un petit pont. Voilà. Tout ça, c'est des trucs qu'on pourra faire. Pareil, là on peut passer qu'en mini-niche, là l'oiseau, etc. quoi. Je cherche l'escrimeur, où il est? C'est pas... Ça c'est une boulangerie. En boulangerie c'est assez sympa, il y a... Prendre ça. Voilà, c'est juste par des fragments en fait. Il me semble que ça rend de la vie aussi. Ouais, et là vous voyez encore une entrée
de mini-niches. On a vraiment partout. Ça, c'est un endroit où on pourra pas aller tout de suite. Bon, l'escrimeur, où qu'il est? Ah, le village est vraiment immense par rapport aux autres Zelda Game Boy. Hein. C'est qui lui déjà? Ah, le maire. Bon, il dit des mots en anglais. Ah, et vous voyez, par exemple, là, lui, hein, il a un fragment. Voilà, non, on n'a pas le bon. Ah, c'est ça qui peut être long, je vais tous les faire hein, quand même. Mais ça peut être long parce que, comment dire... Bah, il faut avoir le bon fragment. Et il y a des fragments, on les obtient aléatoirement. Donc des fois, c'est assez chiant, hein. On faut farmer les fragments, en fait. J'aimerais bien pouvoir continuer le jeu. C'est le postier. Encore des entrées mini-niches partout. On peut pas passer. Il y aura une quête énorme avec des figurines à collectionner qu'on aura grâce au coquillage, il me semble. Et ça, ce sera vraiment sympa. Mais on peut pas encore. Putain, mais c'est pas possible. Il est où? Les pays de merde. Bah c'est pas là? Ah si, c'est là. On dirait qu'il a la même race que Link, lui. Allez. Voilà, donc c'est l'attaque tornade, hein. Non, allez, il y aura d'autres attaques plus tard dans le jeu. Il faudra revenir après certains moments du jeu. Ouais, maintenant on a l'attaque tornade. Voilà. Du coup. Je sais plus où c'est. Quel emmerdeur. Voilà. Alors oui, faut faire gaffe, ils volent les rubis, il me semble. Voilà. Fragment de bonheur. Ouais, là-dedans, tiens. Non, non, ça c'est pour plus tard. Je crois qu'il y a autre chose avant. Ouais, y'a rien à faire ici. Il me semblait pourtant. Là alors. Je
Non. Suis sûr qu'il y avait un truc. Peut-être là-dedans, j'ai mal regardé. Ah merde, mais putain. Faut le buter. Alors ça, fallait le deviner hein, quand même. Voilà, parce qu'en fait, sans ça, on peut rien faire au Mangong. Parce qu'il faudra récupérer de l'eau, en fait. Ah, donc on a un flacon. Bah, je crois qu'on est paré, hein. C'est parti. Voilà, donc la suite du village. Bon, on a même. On a vu à peu près la moitié du village. On verra l'autre moitié plus tard. Parce qu'en fait, avec le flacon, on pourra récupérer de l'eau. Alors, c'est ce que c'est là. Ouais, voilà. Récupérer de l'eau. Et la foutre sur les. Sur les plantes pour la faire pousser. Et ça servira à d'autres trucs plus tard. Genre des potions et tout comme ça. Peut-être que lui aussi il vend le flacon en fait. Ah voilà. Il donne l'indice lui en fait. Bref, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Hein. C'est une vidéo un peu je me balade dans la ville. Bien, salut c'est Enjoy Phoenix. Bienvenue pour ce. Cette vidéo shopping, non je déconne. Bon du coup bah voilà c'est fini donc on va faire le Mongongle entier. Je pense que ça va prendre une vidéo entière. Et après bah le donjon du coup qui se trouve au sommet. Voilà donc maintenant on a tous les emplacements. Ça c'est les précis d'escrime. On peut les voir là à l'intérieur. Donc il y en a 3, 6, il y en a 8. Voilà ça c'est tous les fragments pareil. Vous voyez, il y en a que 11 sortes. Voilà, bah ça servira plus tard, comme je vous l'ai dit, je crois que c'est pour les figurines. Et là, il y a encore 3 trucs qu'on n'a pas, qu'on verra plus tard. Voilà. Prochain élément, l'élément du feu. Je vous dis à la prochaine vidéo, salut, bah n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous voulez donner des avis positifs ou négatifs sur des trucs qui vous ont plu ou pas. Voilà. Merci pour vos encouragements et à la prochaine, salut!